Check. Check. La mof. Hey. Hey. Check. Coucou Marouane, comment ça va? Oui, mon voyageur, ça va bien. Regarde, je suis même déjà au boulot. Hein. Je suis là avec ma collègue Evelyne. Voilà, elle te fait un coucou. Comme tu vas en Italie demain, là, n'oublie pas de venir me voir, d'accord? Bon, d'accord. Ok, allez. Je t'embrasse très fort. De gros bisous. Ciao. Mon voyage. Bonjour Laure, ma psy de beauté. Comment tu vas? Bonjour. Encore toi? Cool Black, non mais qu'est-ce que tu me veux même? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Écoute, je suis pas venu pour qu'on fasse la guerre, tu vois. Je veux juste que tu m'accordes 2 minutes de ton temps, s'il te plaît. Non mais tu as même besoin de quoi au juste? Hein? Tu as besoin d'une manicure, pédicure, soin de visage ou alors un gommage corporel? Qu'est-ce que tu veux? Écoute chérie, je doute pas de tes compétences dans ton travail. Pédicure, manicure et tout cela. Tu le feras bien après quand tu m'auras écouté. T'inquiète. Je sais que tu vas bien me tuer le corps. Mais là, je te demande juste 2 minutes de ton temps. Il faut que je te parle. Tu peux tout dire ici. Hein. De toutes les façons, c'est mon ami. Elle est au courant de tout. C'est ta collègue, oui. Mais là, il s'agit de toi et moi. Tu pourras tout lui dire après. Mais là, il faut que je te parle en intimité, en fait. 2 minutes. Ok, juste 2 minutes. La mof. Hey, hey, check. Écoute ma belle, déjà je m'excuse de te déplacer hors de ton travail. Tu sais, je tenais à te dire que depuis que tu es arrivé au quartier, mon cœur ne cesse de battre pour toi. Tu vois, tu es une belle femme, tu as tout le charisme, tu as tout le profil qu'il me faut. Je veux que tu deviennes ma femme, je veux que tu deviennes ma moitié. Je ne dors plus, je ne trouve plus le sommeil, ma belle. Je vais peut-être te surprendre. Je veux que tu deviennes la mère de mes 7 enfants. Je ne dors plus. Donne-moi ma chance, s'il te plaît. Cool Black, je dis, hein, tout le petit blablabla que tu racontes là, c'est pour qui? Pour moi? C'est pour toi. Non, mais quand tu me regardes, tu m'as bien regardé. Regarde-moi encore très bien. Quand tu te vois, tu me vois. Selon toi, ça donne. Mais moi, quand je te regarde, tu ne ressembles même pas à un mec qui a le nyama. Alors, ce que je vais te dire, comme tu n'es pas informé, regarde. Tiens, regarde. C'est Marouane. Marouane? Mon mec. Mon benguiste. Hein? Mon chou bébé. Mon mignon. C'est-à-dire, je peux même dire mon Dieu sur terre. Celui-là qui va passer le temps à m'acheter les greffes brésiliennes. Les voitures de marque, les chaussures de marque. C'est-à-dire tout. Celui-là qui va me sortir de ce pays et m'amener en bain. Tu m'as compris, non? Alors toi là, toi tu as quoi m'offrir? Tu n'as pas le nyama. Et je dois avouer que je ne vais pas quand même être aveugle et ne pas voir à quel point tu es tellement mignon. Mais désolé, c'est pas ta petite mignoncité qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse chez les hommes, c'est le nyama. Et si tu n'as pas de nyama, tu me colles la paix. Hein? Du coup, va te faire là. J'ai même appris que tu vends les... Ah, je parle même de ça. Les habits au marché, Mokolo. Ben, si ça peut nourrir ma famille, où est le problème?
Et en plus de ça, on raconte également que c'est toi qui pousses la brouette en Vogada. Mais mon ami... Et déjà, même si je fais la brouette, avec ça, je peux au moins soigner mes parents. Avec ça, je peux m'occuper de ma famille. Et ça fait même deux boulots. Je pense que je peux bien prendre soin de toi et de mes 7 enfants. C'est pour toi et ta famille. Ça ne m'intéresse pas. Sache que quand tu auras le Nyama, tu reviens me chercher, ok? Attends, je vais te donner ma carte. Tiens. Tiens ma carte. Tu sais où je travaille, chez la psy de beauté. Tu sais également où j'habite. Tu reviens me chercher pour l'instant. Va te faire là. J'ai pas besoin de ton genre là, ou c'est quoi, ou c'est Mokolo, ou c'est Vogada, ou c'est quoi, j'ai pas besoin de ça du tout. Va te faire là, et quand tu auras le Nyama, je vais t'attendre, même comme j'ai déjà mon Benguiste. Si tu as le Nyama, reviens me voir. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi. Il n'y a pas de problème. J'ai compris ce que tu veux. Je t'ai compris. J'irai faire là le Nyama. Laisse-moi te dire une chose. Tu seras la mère de mes enfants, ma moitié. Ok, c'est de ça qu'il s'agit. Sors de ma voiture, je m'en vais, je m'en vais. Petit voyou. Sors de ma voiture, sors comme ça. Voyou, gigolo, regardez-moi quelqu'un. Il prend mon argent, il mange mon argent, il se parle de parole. Regardez-moi, voyou. Mais c'est une voiture. Regardez-moi quelqu'un comme ça. J'étais même présenté à ma famille. Pardon, laisse-moi tranquille. Écoute, Chou, tu veux m'expliquer, tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? Voyou. Parce que je te reconnais pas, carrément. Mes comptes sont bloqués, c'est si majeur. Non, mais c'est vrai, mes comptes sont bloqués. Regardez-moi un gigolo comme ça, là. Mes comptes sont bloqués. Je dépense mon argent sur toi. Après tout ce que j'ai fait sur toi. Mais de quoi parles-tu, Miss? De quoi parles-tu? Attends, Chou, tu veux m'expliquer? C'est moi qui ai acheté. Écoute, oh, monsieur, écoute-moi. C'est quand même pour vous. Écoute, mon ami, centre ma main pour moi, d'accord? C'est la mort. Centre ma main pour moi. Calmez-vous. Une femme dans sa voiture, vous l'agressez. Calmez-vous. Vous vous calmez. Je dis, vous vous poussez, casse pas la main. Vous calmez. Je vous arrache les nez. Mon amour, tu vas m'expliquer ce qui se passe. C'est tout ce que j'ai fait pour toi. Tu prends mon argent, tu manges mon argent à gauche et à droite. Regardez-moi quelqu'un comme ça là. Mais si c'est entre ma main pour moi. Vous voulez dégainer? Oui. Vous voulez dégainer? Ne t'approche plus de moi, hein. Là, mais t'es dit là. Qui te veut ma voiture? Regarde-moi quelqu'un comme ça là. Il faut t'approche même plus de moi. Tu as attends, Chou Kokolo, tu pourrais m'expliquer bien ce qui se passe? Quelqu'un savait ça là? Un voyageur, mes comptes sont bloqués. Quelqu'un qui n'a jamais quitté. Non, mais c'est vrai, mes comptes sont bloqués. Regarde-moi. Attends. Qui te veut ma voiture? Imbécile, Chicolo. Approche-toi encore de moi. Donc, c'est ça, Marwan. Donc c'est tout toi là, le fameux voyageur. Regarde, tu ne veux pas quitter devant ma voiture. Qui de l'air? Qui devant moi? Je ne t'explique rien. Imbécile comme ça là. Tu ne veux pas quitter de là. C'est ça le voyageur? Qui n'a jamais fait pour moi là? Le Sincèrement, tu as mal fait de refuser les avances de Col Blanc. Ce gars, il a de l'avenir. C'est pas parce qu'il fait la sauvette à Mokolo que tu crois qu'il ne peut rien devenir demain. Et en plus, c'est un rappeur. Rappeur de quoi? Non, rappeur des égouts? Ah non. Tu sais pas de quoi demain est fait. En tout cas, je t'aurais prévenu. Il va percer et puis tu vas répéter. Oh, pardon, Evelyne, pardon. Laisse-moi avec les histoires de Col Blanc là. Je suis pas prêt.
Elle va lire avec moi. J'arrive, chérie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Merci, Seigneur. Voilà, Seigneur, c'est toi qui donnes le nyama. Ça, le manioc à cuire. Assez, voisin, donne-moi 500 là, s'il te plaît. La claque est djoum. La boule va me sentir. Elle a dit qu'elle aimait le nyama, non? Denis, écoute, tu sais, tu as toujours été une bonne porte pour moi, une amie. Tu es tout pour moi, en fait. Évidemment. Tu vois. Et je suis content de t'avoir comme une vraie amie. Ça fait de longues dates qu'on se connaît. On a voir ensemble, on a bossé ensemble. On a tout fait ensemble. Je ne sais pas ce qu'on n'a pas fait ensemble. Vraiment. Et franchement, ça me touche tellement. Ben, si j'ai voulu qu'on marche un peu, c'est parce que j'ai deux bonnes nouvelles à t'annoncer. Eh oui. Aujourd'hui, j'ai le nyama. Celle-là. Ouais. Oui, pour ça quand même. Voilà. C'est fini la galère. Le nyama est là. Le nyama est là. Bon ben, la première nouvelle, c'est cette Laure. Oui. Cette fille qui me fait batailler tous les jours. Et je tenais à te dire que je vais aller frapper à sa porte bientôt. Ouais. Je tiens vraiment à l'épouser. Aujourd'hui, je me suis décidé enfin d'aller frapper à les portes. Ouais, elle voulait le nyama, alors j'ai le nyama. Tu vois? Et la deuxième bonne nouvelle? Bon, celle-là, alors, c'est la totale. Aujourd'hui, j'ai trouvé un producteur pour mon son, tu connais là? Oui. Ouais, il verra le jour bientôt. Et d'ici quelques jours, c'est dehors. Donc, tu seras la star. Ouais, pas les pet-pet que je faisais avant là. Maintenant, j'ai fait du bon. Du bon, c'est le son de l'heure. Et en passant même, le titre c'est Lille. Voilà même les pas de danse, c'est ça. Ouais. La clap à tout. Ouais. Oh ma Jenny. Tu sais, tu es comme une petite soeur pour moi. Ok. Voilà. Denis, qu'est-ce qui ne va pas? Subitement, tu deviens pâle, il y a quoi? Tu comprends pas quoi. Je pensais que toi et moi, on ressentait la même chose. Quand tu dis que je suis comme une petite soeur pour toi. Mais cool, Black, je t'aime. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tout le temps, tu me parles de cette lore, elle est montée, elle est descendue. Et tu me parles de matin, midi, soir, c'est montée, c'est descendue. Ça me fend le cœur, je t'assure. Toi et moi, on a souffert ensemble. Elle n'est là que pour ton nyama. Et ce qu'elle t'a dit elle-même, on a souffert ensemble, toi et moi, on a travaillé ensemble, on a cherché ce nyama ensemble. Eh hey, cool, qu'est-ce que... Mais putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Mais je peux pas. Vas-y, vas-y. Jenny. Je comprends ton ras-le-bol. Je suis désolé. Mais il fallait me dire les choses. Comment aurais-je pu savoir? Bien, t'inquiète, je comprends, ok?
Ça va, arrête de pleurer. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Tu m'as montré que tu étais une bonne femme. Oui, on a cherché ensemble, comme tu l'as dit, on a galéré ensemble. T'inquiète. D'accord. Ça va aller, ok? Hein? Ok, j'aime. J'aime ton style. Le grand cool black. Tiens, regarde. C'est comment, petit? Ouais, ça va, grand. Attends, dis-moi. C'est Marwan. C'est pas toi, par hasard, Marwan? Oui, grand frère, c'est moi, Marwan. Mais wow. En fait, mon vrai nom, c'est Ndongo. Ndongo Patrick. Ndongo, hein? Oui, Ndongo Patrick. Ah, okay, mon mec. En fait, Bic. Je veux 100 francs. Regarde, depuis le matin, là, je n'ai pas mangé. C'est chaud. Ok, ok. C'est chaud. Non, non, il n'y a pas de problème, mon petit, d'accord? Oh, mon grand cool black! Bic, j'espère je que... vois tes trucs. T'en vois? J'espère que j'ai la petite monnaie. Oh, yeah, j'ai pas de petite monnaie. Hein. Gars, même si c'est 500, Bic. Bon, ça dit, tu peux même dire, okay, mon d'accord. Dieu, sur terre, celui-là qui va passer le temps à m'acheter les greffes brésiliennes. C'est Marwan. Marwan. Tu dis quoi? Je dis à petit. Oui, grand frère. Oui, grand frère, oui, grand. Hein? Oui, grand. Tu m'as dit que tu t'appelais comment? Hein? Appelle Ndongo, grand frère. Ndongo. Tu t'appelles Ndongo, hein? Ndongo, grand frère. Hein? Oui, Ndongo. Tu me connais? Non. Hein? Non, grand. Tu me manques le respect? Non, non, grand. Et tu fais ça comment? Non. Approche ici. Approche, dis-donc. Mon bébé. Oui, grand frère. Oui, grand frère. Je dis qui est? Mon hein? Chou, bébé. Tu es encore là? Mon mignon. Grand frère, c'est... Tu tournes seulement le béton. Mais tu fais, c'est une insulte. Non, non, grand. Non. Il fait ce que je me dis, il s'appelle Marwan. Erika, tu vas lire. La claque là va d'une petite. Est-ce que c'est entré? C'est entré? Oui. Hein? Oui, grand frère. C'est bon, alors, pour te récompenser. Hé, hey, grand frère, grand. Un petit. Tu dis, dégage, dégage vite. N'importe celui-là quoi. Celui-là qui va me sortir de ce pays et m'amener en paix. 100 francs. Tu n'as pas le nyama. Garde-moi un idiot. Petit frère, la prochaine fois, je vais t'attraper, petit frère. On va t'encercler ici dans le quartier, grand frère, tu vas voir. Tu es encore là, petit frère. Tu bavates encore. Je bavate. Tu vas lire, petit frère. Je vais te donner une claque qui va bien te djoum. Je vais te faire. Dieu. Je vais te faire. C'est pas ta petite mignoncité qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse chez les hommes, c'est le nyama. Et si tu n'as pas de nyama, tu me colles la paix. Il y a pas ton dragueur là-bas. Quel dragueur? Regarde que je vais te parler la dernière fois. Qui ça? Cool Black. Cool Black. Regarde parce qu'il y a la télé, maman. Cool Black, il venait souvent ici. Evelyne, moi, n'aime pas quoi ces choses-là. Tes blagues. Maman, là-bas. Je l'aime déjà. C'est à partir de maintenant que moi, si je commence à l'aimer, et il va m'épouser. La première étape, allez ça. Bonne chance. Quand vous voyez un gars, il n'a rien, vous voyez que sa vie est finie. Voilà ça. Le gars passe à la télé. Tu n'as pas. C'est quoi ces qualités, façon manier bizarre ça? J'ai réservé mon ventre pour lui donner ses 7 enfants. Il vient, il peut avoir le nia, mais il ne vient pas me chercher.
Jamais. Je vais te trouver aujourd'hui, cool. Je vais te trouver aujourd'hui, cool flat. Erika, je sais que personne n'est parfait. Diano, oui, Erika, je sais que tu veux job. Oui, mes petits frères, attention de trop job. Oui, contente-toi de ton salaire, boum. Les gens galèrent, je n'ai bien ça. Cool Black. Cool Black. Attends, Cool Black, donc tu as eu le nyama, tu n'es pas revenu me chercher. C'est moi là, non, là, ta psy de beauté que tu venais souvent draguer à l'institut là. C'est moi, tu ne me reconnais pas, regarde-moi bien. Mais c'est la... La voici. Non, mais je dis, hein, celle-là, c'est qui? La fameuse là. Je dis, hein, c'est ta belle de nuit. Pardon, ne me parle même pas, hein. Cool Black, oh, c'est... C'est toi un peu de tenue quand tu t'adresses à ma femme. Cool Black, je t'aime déjà, je t'aime déjà. Tu as dit que tu devais venir me chercher quand tu devais avoir le nyama. Pourquoi tu me fais ça? Donc tu as véhiculé. Tu fous pourquoi? Tu as un... Je crois que tu es sous un autre nuage. Tu pensais un seul instant qu'après mon nyama, je serais venu te chercher. Hein? Tu pensais que j'allais laisser celle avec qui j'ai souffert pendant des années pour venir te chercher. Il est où ton soi-disant, je ne sais plus quoi. Cool Black, je t'aime déjà. Oh, pardon. Je t'avais dit que tu ne me touches pas, s'il te plaît. Tu enlèves tes mains devant moi. Tu touches qui? C'est mon gars, c'est mon mari. Cool Black, tu as dit que tu devais venir m'épouser. Je t'aime déjà. Je Cool Black, je t'aime déjà. De grâce, ne me touche pas. Si tu dis que tu me fais ça, mieux je meurs. Mieux je me place à roue. Je vais mourir, Cool Black. Tu as dit que tu m'aimais. D'accord. Tu as dit que tu m'aimais, mieux je meurs. Je me mets ici à roue. La voiture me tue. On se calme. On se calme. Calme-toi. Ok? Calme-toi. Écoute, tu voulais le nyama, n'est-ce pas? Tiens, ça c'est pour t'aider à acheter ton cercueil lorsque tu auras pris la peine de te suicider. Tiens. Cool Black, c'est toi que je veux, tiens, s'il tiens, te plaît. Cool Black, s'il te plaît, c'est toi que je veux. Tu m'as dit que tu devais réveiller me chercher. Ma famille t'attend déjà. Cool Black, ne m'abandonne pas ici. Cool Black, s'il te plaît. S'il te plaît, non. Seigneur, ouais. Cool Black, s'il te plaît, tu m'as dit que tu me mets là. Non, tu n'avais pas le nyama, tu m'as laissé moi. C'est parce que tu as le nyama que tu m'abandonnes, Cool Black. Tu ne dois pas m'abandonner parce que tu as le nyama. Ouais, mon Dieu. Non, Cool Black, s'il te plaît. Seigneur. Ouais, mon Dieu. Bonbon. Kitoko. Bonbon chaud. Bonbon. Bonbon tout. Madame les bonbons. Mais tiens. Marouane. Attends. Marouane, c'est toi? Marouane. Non, mais tu fais quoi ici? Tu n'es pas en Italie. Marouane, c'est qui? Je tiens le pardon, cas, madame, si moi pas je en Italie. Pardon, moi je suis en train de vendre. Moi, tu me fais les appels vidéo chaque pas... jour enfermé dans une chambre d'hôtel au Cameroun. Qui? Tu n'es pas en Italie. Qui? Eh mon Dieu, c'est quand même mal chargé. Vous savez pas que les gens se ressemblent ici? Merde! Donc en tu n'es pas laisse... en Italie. Laissez-moi aller vendre mes bonbons d'abord. Hey! Oui! Merde! Merde! Consomme chaud, chaud, l'eau glacée! Venez acheter, venez tromper tonton Marouane! Venez voir tonton Marouane, le consomme de tonton Marouane! Consomme bien glacé. Consomme de tonton Marouane. Consomme bien glacé. Ah. Dans la vie, si, il faut se battre. Il faut chercher le nyama. Parce que personne n'est yamolongeme. C'est fini le gigolisme.
Je dois me faire là, je continue à vendre mon Kossam. Kossam bien glacé là, Kossam bien glacé là. Mon Dieu, je me retrouve perdante. Koulbla, tu ne peux pas me faire ça. Koulbla, tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai jamais été une perdante dans ma vie, non. Koulbla, tu ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas perdre de cette façon, non. Même l'enfoiré de Marouane a osé me mater. Seigneur, je ne suis pas une perdante, non. Pourquoi c'est une yama, tu oses me marrer? Pourquoi c'est une yama? Koulbla, tu ne peux pas me faire ça. Moi, un homme ne me fait pas ça. Un homme ne peut me faire pas ça. Koulbla, tu ne peux pas me marrer comme ça. Tu ne peux pas me marrer comme ça. Je dis non. Non, moi un homme ne me fait pas ça. Moi un homme ne me fait pas ça. Non. Good luck. Non. Good luck. Non. Good luck. Tu as des enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non. Good luck. Non. Pourquoi? Viens quoi, chérie? Dis-lui. Je suis que ça va. Ça va, chérie, c'est toi? Oui, c'est moi. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Tu es sûr? Oui, ça va. Il n'y a rien, tout va bien. Tu m'as fait peur. Tu m'as raté ton vol, il faut aller parler. Je suis que ça va. Ici à te morfondre comme une morviette. Non, mais tu es une lâche. Je ne suis pas une lâche. Qu'est-ce que tu as à te morfondre pendant qu'une pimpèche est en train de t'arracher ton époux? Koulbla n'est pas fait pour moi. Koulbla est ton époux. Koulbla est à toi. Oui, à toi seul. Arrête, 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 arrête de me torturer. Non, mais Koulbla est ton époux. J'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir récupérer Koulbla. Mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Parce que tu penses vraiment que tu as tout fait pour pouvoir voir Koulbla? Non, mais tu n'as rien fait du tout. Tu n'es qu'une sale lâche. Arrête. Arrête, tu fais mal à la tête. Tu es une lâche. Lève-toi, il va récupérer ton époux. Koulbla n'est pas fait pour moi, arrête. Ah bon? Arrête, tu me fais mal à la tête. Arrête de me le dire. Arrête de me le dire. Koulbla n'est pas à moi. Arrête. Je suis ta meilleure amie, c'est moi qui te parle. Maintenant, lève-toi. Il t'a promis qu'il devait aller chercher le nyama pour toi, n'est-ce pas? Allons maintenant, lève-toi. Ne laisse pas les sales âmes impures, les esprits malsains, de récupérer ton nyama. Maintenant, lève-toi, Laure. Je vais te donner mille et une astuces pour pouvoir le récupérer. Oui, c'est ça, suis-moi. Tu es tellement belle. Tu es une jolie fille, regarde-toi. Koulbla est à toi et il restera pour toujours. Alors, suis-moi. Suis-moi. J'aimerais que vous veniez avec quelques échantillons. Je peux pas aussi me lancer comme ça à l'aveuglette. Il faudrait que je vois si vraiment les produits m'intéressent. Je peux pas juste me baser des photos. Ok, on dit à quelle heure alors? 14. Ok, d'accord. 14, ça m'arrange. Donc il est 13h déjà. Il est 13h passé. Donc je m'apprête, j'arrive tout de suite. Ok, à tout à l'heure. Chérie, oui. Dis-moi, avec qui tu parlais là au téléphone? C'est un nouveau partenaire d'affaires. Là. Il m'a appelé, le frère qui aimerait que. Bon, que ce soit son partenaire, quoi. Il faut ça vêtements et. Il m'a parlé de. Il voudrait que je sois son partenaire d'affaires, quoi. Ok. Mais il m'a donné rendez-vous tout à l'heure à 14h. On peut préparer à partir parce que déjà 13h passées avec les embouteillages et tout.
Ok, d'accord. Dans tous les cas, je te fais confiance. T'inquiète. À tout à l'heure. D'accord. Allô? Oui, allô, Cool Black, bonsoir. Bonjour. Oui, Cool Black, si tu ne viens pas au Carrefour et Yenga premier tout de suite, tu vas perdre ta femme. Tu dis que tu as épousé un ange, n'est-ce pas? Ouais. Alors, comme tu as épousé un ange, où que tu sois, quitte là où tu es et viens voir toi-même de tes propres yeux comment ta sale putain de femme est en train de se faire embrasser, malaxer ici devant tout le monde par un voyou. Lève-toi, tu viens voir comment est-ce qu'on est en train de malaxer ta femme puisque tu dis que tu t'es marié à un ange. Un ange de quoi même? Lève-toi, tu viens la voir. Écoute-moi bien. Qui que vous soyez, je ne pense pas vous avoir envoyé surveiller ma femme. Et d'ailleurs... Je fais confiance en ma femme. Tu dis que tu as confiance en ta femme, non? Ça va, ne viens pas. Toi, c'est qui déjà? C'est Laure Effa, ta psy de beauté. Laure Effa, encore toi. Écoute-moi bien. C'est la dernière fois que tu m'appelles. Et je ne vais pas passer le temps à changer de numéro de téléphone pour toi. D'accord. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je ne t'ai jamais envoyé surveiller ma femme. Alors, je fais confiance en ma femme. Ok, ça va, ça va, ça va. Tu dis que tu ne viens pas, non? Tu dis que tu as confiance en ta femme, non? Ça va, ne viens pas. Écoute-moi bien. Le jour où je te revois sur mon chemin, on ne te dira pas. Sur ce, bonne soirée. Idiot me raccroche même. En tout cas, ne viens pas. C'est seulement que mon plan ne va pas échouer, Seigneur, pardon. Ils sont en train de se... Ouhou. Actuellement, Cool Black en train de camp. Allez, on va se cacher. Ok, ok, allons. Alors, Jojo. Ouais, alors. Tu as fait du bon boulot. Ok, ok, tu fais très bon boulot. On espère seulement que ça va donner le résultat qu'on a prévu. Non, ça va donner un bon résultat. Tiens, on t'appelle. Alors, à la prochaine. Ok, à la prochaine. Tu as fini? Alors maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller voir un bon marabout. Ou bien une bonne sorcière. Qui fera en sorte qu'on récupère ce Cool Black rapidement. Parce que rassure-toi, cette petite prostituée peut revenir. D'accord. Alors suis-moi. D'accord. Suis-moi. Allez, viens.
moi. Allez. Dégage, sale pute. Espèce de prostituée. Tu m'as dit que tu avais rendez-vous d'après, n'est-ce pas? Mais tu passes ton temps à aller t'asseoir dans les bancs publics avec des garçons. Je te vois choper la femme quand je te parle. Hein? Je t'en veux un shopping, ça suffit pas. Hein? Tu n'arrives pas à me faire des enfants, tu es chômage tous les jours. Sale conne, attends, je te retrouve là. Reste là. Je t'ai dit, dégage chez moi. Je ne te revois plus jamais chez moi. Sale pute. Dégage chez moi, c'est la dernière fois que je te revois devant ma porte. Je t'ai même loupé. La prochaine fois, je vais t'enterrer vivante. Je n'ai rien fait. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ah mon Dieu, pourquoi? Ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Non! Non! Ah, je t'aime, Colbert! Colbert, je t'aime! C'est pas ce que tu crois! Ah! Je ne sais pas ce que tu crois! Je ne sais pas ce que tu. Non, mon Dieu! Non, je ne veux pas, je ne veux pas te perdre, Colblanc! Marlise, j'ai besoin que tu prennes le cœur de Colblanc. J'ai besoin que tu arraches le cœur de Colblanc et tu me le donnes. J'ai besoin que tu façonnes Colblanc pour moi. J'ai besoin que tu tortues Colblanc, que tu le possèdes et que tu me le donnes. J'ai besoin que tu prennes tout son nyama et que tu me le donnes. J'ai besoin que tu fasses en sorte que Colblanc n'écoute que moi. Tourmente l'esprit de Colblanc et tu me donnes cet esprit. J'ai besoin de posséder Colblanc. J'ai besoin d'avoir tous les nyamas de Colblanc. Oui, je veux que tout son nyama m'appartienne. Je veux que Colblanc soit à moi. Je veux qu'il ne mange que moi, qu'il ne boive que moi, qu'il ne dorme que moi et qu'il ne respire que moi. Ok. Tu as besoin que je possède Colblanc pour toi. Oui. Qu'il ne soit que tien. Oui. Qu'il ne soit que ta marionnette. Oui. Ok. Je le ferai. D'accord. Alors dis-moi, pour que tu fasses tout ça pour moi, combien est-ce que je vais te devoir? Est-ce que tu peux me payer? J'aime voir les âmes souffrir. J'aime faire le mal. Tu me donnes même pas un baiser, chérie. Hein? Écoute, ma douce. Je sais que tu es très très fâchée de moi. Ah ça, je le sais. Je sais que tu es très fâchée.
Et tu as pleinement raison de te fâcher. Mais je veux que tu comprennes une chose, c'est que chacun de nous peut faire des erreurs, tu vois. Et tu ne peux pas imaginer à quel point je t'aime. Et j'ai compris que je t'aimais vraiment. Mais le sentiment que j'ai pour toi, l'amour que je porte pour toi est très très fort, très puissant même d'ailleurs. Et je suis sûr d'une chose aujourd'hui, je suis très conscient, c'est qu'avec toi j'ai envie de faire ma vie. Alors, je te demande encore pardon. T'es une lumière, t'es celle qui peut vraiment éclairer ma vie. Tu es celle qui peut donner un sens à ma vie. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. S'il te plaît. Souris-moi, s'il te plaît. Seulement ton sourire me fera comprendre que je suis l'homme le plus heureux de la terre. Juste ton sourire sera un oui pour moi. Voilà. Là, je commence à te reconnaître. Ouais. Tu sais, quand tu souris, tu es merveilleuse. Cool Black. Ouais. Alors, tu sais que tu m'as tellement fait souffrir, n'est-ce pas? Je sais. J'espère que comme tu reviens là, tu pourras supporter toutes mes caprices. J'espère que tu pourras me supporter jusqu'au plus profond de moi, c'est-à-dire supporter même le petit démon qui est en moi. Ça, je l'accepte. Ok. Tu m'as trop manqué, tu sais. Toi aussi, tu m'as manqué. Tu m'as tellement fait souffrir. Sans toi, j'étais tellement perdue. Hmm? Ouais, je sais. Maintenant, promets-moi que tu vas rester avec moi, quoi que je te fasse. Hmm? Et surtout, surtout, j'espère que ton yama est resté intact. Hein? Je vais te garantir une chose. Tout le temps, tu n'étais pas là. Mon yama s'est multiplié seulement pour toi. Ah! Voilà quelque chose qui me persécute le cœur. Oh, merci, merci d'avoir gardé ton yama pour moi. Alors, je suis là. Merci, mon ange. Mon bébé, mon cool black, mon mari à moi toute seule. Enfin, je te retrouve. Quand je suis avec toi, quand je suis avec toi, mon cœur, mon cœur, mon cœur commence à battre à la chamaille. Tu vois, c'est tout le regard de personne d'autre que moi. Ah ben t'inquiète. Ton regard doit rester figé sur moi uniquement. Hmm? D'accord, tu fais le transfert pour appeler ton chauffeur, c'est ça? Ok. Mon ami, fais-lui seulement le transfert, tu n'es pas obligé de lui parler, c'est mon gars. Et tu fais comment? Tu me parles ouais, aussi comme ça? Ouais, mon ami, fais le transfert, parce que seulement en parlant, là, tu peux lâcher une poudre, ça arrache mon gars. Tu peux pas donner à ta soeur. Cool Black, cette fois-ci, on a bien dit. Ouais, qui est où? Je dis, hein, c'est avec ton chauffeur que tu es en train de parler, tu dis tu es où? Donne-moi d'abord le téléphone, là, je vais regarder qui tu appelles. Ok. Ça, c'est ton chauffeur. La plus belle. Ah, donc, regarde-moi l'autre. Il regarde mon gars comme s'il était cédé. Zibendina. C'est quoi? Ne regardez plus mon gars, vous voulez la rater. Zibendina. Ah, bébé, t'inquiète pas. Je ne suis pas souvent comme ça d'habitude. C'est juste que je t'aime tellement. C'est quoi? Tu appelles mon gars pourquoi? Tu veux y aller arracher? Non, tu veux faire les remèdes sur mon homme. Ne regarde plus mon gars. C'est quoi ça? Toi, tu veux draguer mon gars? Regarde la vieille femme là. Tu n'as pas idée. Ah ouais. Yo. C'est quoi avec le big? Ne touche pas mon gars, ok? Tu veux faire le tabac à mon homme? C'est comme ça que vous touchez toi les maris des gens qui doivent faire vous arracher. Oh, bébé, pardon, allons-y. Mais n'aimez plus que quelqu'un te touche. Tu comprends, non? C'est pas parce que tu es devenu star que les gens doivent te toucher n'importe comment. Quand je souffrais avec toi, il n'était pas là. Ah, d'accord. Pour notre appel là, qu'est-ce qu'on fait? Tu parles avec lui. Calme-toi, chérie. Je parle avec mon associé. Quel associé? Oui. Attends-moi ce téléphone. Tu parles avec quel associé? Les faux associés qui existent ici dehors, tu me dis que tu es en train de parler à quel associé? Allô? Allô? Je dis, hein, vous les faux associés qui passez le temps à circuler les rues ici dehors, il faut laisser mon mari tranquille. Hein. On ne parle pas à mon mari n'importe comment, ok? Allez, récupère-moi ça avant que je l'explose au sol. Et vous là, vous êtes en train de me regarder pourquoi? Arrêtez de me regarder quand je parle avec mon mari quand même. Mais il fait quand même chaud ici à Yaoundé. Hein. Thank you.
Oui, Lord. Apparemment, notre cible est accompagnée. Et elle est assez puissante. Mais ne t'inquiète pas. Je vais essayer de m'occuper d'elle. De moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi si jamais j'ai péché quelque part. Si c'est à cause de ça, Seigneur, que mon mari m'a chassé. Seigneur, tu sais combien je suis fidèle, combien je l'aime et je sais qu'il m'aime aussi. Seigneur, si un esprit démoniaque l'a touché, que ces liens puissent être détruits. Que tous ces liens puissent être détruits, que mon mari puisse reprendre conscience. S'il te plaît, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui connais tout mon avenir, mon futur, Seigneur. C'est toi qui nous as unis. Et tout ce que tu unis, personne ne peut nous séparer. S'il te plaît, Seigneur, sauve mon mariage et fais revenir mon mari. Seigneur, je t'en prie d'exaucer mes prières, comme tu le fais toujours. Je sais que tu ne vas pas me décevoir et que mon mari va revenir. Je compte sur toi, Seigneur. J'ai mal. S'il te plaît, Seigneur, écoute ma prière et fais revenir mon mari. Jamais, ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, je vais te montrer ici.
sucre. Tu sais, je voulais te demander pardon. Je voulais m'excuser auprès de toi. Je sais que j'ai commis des erreurs, mais comme tout le monde, je suis un homme après tout, tu vois. Je suis un être humain et j'ai compris quelque part, j'étais vraiment ensorcelé. Ouais, et je te demande pardon. Et aussi, tu sais, je m'étais juré et promis de ne jamais poser la main sur une femme. Moins encore sur toi. Et je l'ai fait, je te demande sincèrement pardon. Je ne le ferai plus jamais. Et Il n'y a pas de souci, chérie. Je comprends. En tout cas, je savais que c'était la route de mort parce que c'est. Le Seigneur a permis que tu sois délivré. Bon, oublions ça. C'est vrai, sans te mentir, sans te couper, c'est vrai quand même que malgré toute la foi que j'ai, le diable a réussi à détourner. Mais c'est Dieu qui détient le dernier mot dans tous les cas. Et personne, plus jamais personne, ne viendra se mettre entre nous. Plus personne ne pourra plus jamais nous séparer. Ok, ok, on oublie ça. C'est pour que j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je t'écoute. Je suis enceinte depuis 3 mois. Quoi? Waouh! Oh mon Dieu! Mon bébé! Enfin, j'aurai 2 bébés dans la maison. J'aurai 2 bébés dans la maison. C'est normal. Enfin, je le sais. Je t'aime, chérie. Merci. Je t'aime plus que tout le monde. Je t'aime. Frappe ma Jenny. Oui, tu m'appartiens, coup de plaque. Tu m'appartiens. Tu es moi, ça. Je l'ai tué, et puis quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu peux me faire? Je l'ai tué, et puis quoi? Tu sais, peut-être je l'ai tué.
No!
c'est toi. Ekié, depuis quand tu ne fais que dormir? Tu parles des choses insignifiantes. Merde. Il y a quoi? Tu es malade. Comment tu ne fais que dormir là? Tu hallucines, tu parles de col black, le nyama, c'est monté, c'est descendu. Kevline. Ou col quoi? Ou col black? Ou c'est quoi? Marouane, nyama. Le nyama a fait quoi? Tu peux... Depuis là, tu ne fais que parler des choses, tu hallucines. Attends. Tu parles de col black. Col black est passé ici. Col black, c'est qui? Je sais que col black, c'est qui? Mon Dieu, j'ai mal à la tête. Marouane, le nyama est monté, le nyama est descendu. Tu parlais de laver au village. Tu as même chassé les clients tout là. Et depuis là, tu ne fais que crier. On dirait que tu es dans ta chambre. Tu as voulu faire que les clients partent parce que tu as voulu. Attends, tu es sûr que Cool Blanc n'était pas ici? Je ne connais pas de Cool Blanc. Il faut venir me tresser. Il faut venir me tresser. Quand c'est moi, je te tresse. Et quand c'est toi, tu dors parce que tu ne veux pas travailler. Parce que tu sais que je ne vais pas te payer. Tu me parles de Cool Blanc. Oh, mon Dieu. Oh Seigneur, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Dieu merci. Vous avec vos histoires de Mbengiste là, moi je suis pas trop sur ça. Hein. Moi, j'ai besoin d'un homme sérieux. Non, 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 j'ai besoin du sérieux. Déjà, ton check. Argent, je ne sais même pas comment tu fais pour le gagner. Donc, je vais te laisser. J'ai trop, 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 trop. J'ai trop de boulot ici, du coup. Et en plus, même, je ne suis pas... Je suis pas intéressée. Non, je ne suis pas intéressée. Check. L'homme off. Hey. Hey. Shake. Maintenant, un clown d'or. Evelyne. Voilà le Cool Black. Bonjour, Laure. Merci de t'écouter. Bonjour Cool Black. Je veux juste que tu m'accordes 2 minutes de ton temps, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, je suis tout à toi.